6 juillet 2017. À Émoutiers, on tourne la dernière scène d'un village français. Pour cette petite ville de Haute-Vienne, c'est la fin d'une aventure. Pendant presque 10 ans, chaque saison, l'équipe de la série est venue s'installer en Limousin. C'est quoi le dispositif ? Il faut Au fil de 200 jours de tournage, des liens se sont tissés. Aux côtés de l'équipe parisienne, 120 techniciens, 44 comédiens et un millier de figurants ont été recrutés sur place, en Limousin. Parmi eux, Paul et Roger, deux retraités. C'est de bons souvenirs. Parce que sur ce pont, on a fait des choses auxquelles on ne s'attendait pas. Les journées sont très longues. Hein. Ils commencent très tôt le matin pour le maquillage, choisir les habits. Tout ça, c'est très très long. Il faut avoir une grande patience, passer chez le coiffeur, la maquilleuse, l'habillement, attendre. Et après, quand vous êtes prêt, partir au coup d'envoi. Et là, il faut être prêt. Et action ! Pour accueillir cette série pendant plusieurs années, la région a versé 1,5 million d'euros à la production. Mais le tournage aura généré 6 millions d'euros de retombées sur l'économie locale. Et vraiment, oui, c'était une aubaine pour nous. Et l'équipe de tournage, elle a beaucoup dépensé aussi dans la commune ? L'équipe de tournage, ouais. Oui. Et puis bon, ils louaient des locaux sur place, ils mangeaient sur place. Pour nous personnellement, en tous les cas, leur petit 4 heures, c'était chez nous, quoi. Ça crée aussi de l'emploi, ça crée aussi le fait que les gens voient ce qui se passe de l'autre côté de la caméra. C'est super important et ça a été des expériences pour plein de gens lambda. Je sais qu'à Émoutiers, il y a plein de gens qui, du coup, ont fait de la figuration, etc. C'était extraordinaire pour eux, c'est génial. Je les ai vus faire les décors, là. C'était bluffant. La boutique était recouverte en boulangerie. Et j'ai un livreur qui était là, qui passait depuis 30 ans. Tout d'un coup, il s'arrête. Moi, j'étais au milieu de la route, j'étais en train de servir. Il s'arrête et puis il me dit « Mais elle est où, la pâtisserie ?» Aujourd'hui, Émoutiers a retrouvé sa tranquillité, presque trop calme depuis le départ du village français. C'était bien agréable de voir un peu plus de monde dans les rues d'Émoutiers, oui, bien sûr. Ça fait un vide, finalement, un peu quand c'était terminé. Pas jusque-là, quand même, mais enfin, un petit peu. Ça fait un petit pincement au cœur quand ils disent « on arrête la série, c'est fini, c'est foutu, on n'en parle plus ». Le Limousin et le cinéma. Une histoire d'amour plus que centenaire. À Libinge, à la Cinémathèque de Nouvelle-Aquitaine, on conserve la mémoire filmée de la région. Le plus ancien, c'est 1911. Ce sont les Ostensions du Dora, un film qui dure un peu moins de 2 minutes et qui a, qui a la particularité d'être le plus ancien actuellement connu. Donc ça en fait son charme. Et après Gaumont, en 1913, c'est Albert Kahn qui est venu poser sa caméra dans les rues de Limoges. Alors cette région a toujours inspiré, car dès 1919, avec Julien Duvivier et Assel Dama, le western corrézien qui fêtera donc l'an prochain ses 100 ans, de nombreux réalisateurs se sont succédés. Certains se sont installés ici, Chabrol, Miller. Il y a eu des films emblématiques tournés par Chéreau. Il y a des lieux comme Montmery, qui a vu Alain René tourner Providence, Olivia Sayas tourner les Destinées sentimentales, Lydie Chatterley voir une pluie de César ruisseler long du château. Donc les tournages se sont succédés avec des grands noms aux quatre coins du départ de la région. Attention, moteur demandé, 75 sur 2/4. Action. Pendant une dizaine d'années, les tournages se sont enchaînés en Limousin. Ici, en 2011, La guerre des boutons est entièrement tournée en Haute-Vienne. 12 semaines de tournage, avec une équipe en partie constituée avec des techniciens et des comédiens de la région. Ça finit par se savoir qu'une région est plus ou moins accueillante qu'une autre ? Bien sûr, on parle beaucoup. On parle beaucoup entre nous. Mais... Et puis surtout, quand un directeur de production ou une production va chercher une région, on s'appelle entre nous, on prend toujours des renseignements sur les techniciens aussi. Et là, c'était plutôt positif. C'était plutôt positif, oui, bien sûr. On démarre le plan, tu es penché vers le lavabo.
avec ta main droite. Je vois pas. Eric, tu m'entends ou pas ? Depuis 1998, le pôle cinéma du Limousin a octroyé des aides financières aux producteurs pour qu'ils viennent tourner dans la région. Il a aussi mis à leur disposition un fichier de décors, de techniciens et de comédiens locaux. Entre 2007 et 2017, on a compté 1700 jours de tournage en Limousin. Plus de 8000 techniciens ou figurants locaux y ont participé. Parmi eux, Frédéric. Depuis 13 ans, ce régisseur a pu enchaîner les tournages en Limousin. Étant donné que c'était le Limousin lui-même qui donnait directement de l'argent aux productions, les productions étaient forcément attirées par le Limousin. Donc il y a eu beaucoup de tournages ? Beaucoup. Moi, en tous les cas, j'ai fait beaucoup de tournages. Et les producteurs qui venaient en Limousin, ils avaient tendance à faire appel aux intermittents du spectacle, aux techniciens, aux comédiens locaux aussi, donc ? Non seulement ils faisaient appel aux techniciens locaux, mais en plus, souvent, ils revenaient. C'est-à-dire que donc, ils ont été satisfaits des techniciens locaux. Yannick et Jacques, eux, sont décorateurs de plateau à Limoges depuis 10 ans. Donc moi, j'ai commencé le cinéma parce qu'effectivement, c'était en plein essor en Limousin. On avait beaucoup de tournages. Voilà, il y avait effectivement de la place pour des gens qui étaient intéressés par ce métier et formés. Et donc pendant effectivement toutes ces années, j'ai travaillé très très régulièrement en fait sur des tournages. Après son diplôme audiovisuel, Claire a elle aussi pu exercer son métier de directrice de casting pendant 10 ans dans la région. On avait la chance, certes, d'être dans une petite région, mais d'avoir une structure, le pôle cinéma, qui était très très dynamique, qui nous soutenait beaucoup, avec qui on a quand même établi une relation de confiance, et qui faisait que, comme proportionnellement, du coup, on n'était pas très nombreux à faire ce type de métier, on arrivait toujours à trouver du travail et à faire ce qu'il fallait pour s'en sortir. Et action ! Novembre 2017, retour à Émoutiers. Le village français est terminé. Dans le cimetière, on tourne Les Enfants du mensonge, une fiction TV. 21 jours de tournage, 150 figurants et une trentaine de comédiens et techniciens locaux. Ce sera leur dernier contrat. Depuis un an, plus aucun film n'a été tourné en Limousin. On vous appelait des fois pour vous donner du travail ou pas ? Non. Et quand c'était à Limoges, on vous appelait ? Oui. Et du coup, vous avez du travail aujourd'hui ? Non. C'est-à-dire zéro travail ? Ah, tournage en Limousin, zéro tournage. Oui. Et comment vous faites alors ? Eh bien, on survit, on espère, on passe des coups de fil, on essaye de se débrouiller, en espérant que des jours meilleurs viendront. Si c'est la solution, c'est d'aller travailler à Paris. À terme, effectivement, se posera la question, est-ce que je reste en Limousin ? Moi, j'ai 3 enfants, donc je ne vais pas pouvoir aller habiter à Paris. Ouais. Et ce n'est pas du tout aussi mon envie. Donc, je vais être obligé, effectivement, de prendre un tournant, de me recycler, d'apprendre un autre métier aussi. Voilà. Faute de travail, après 10 ans dans l'audiovisuel, Claire a décidé d'abandonner le cinéma. Elle a changé de métier. À un moment donné, je me suis dit, y a moins de travail, j'ai 2 enfants, il faut faire un choix. Enfin, raisonnablement, économiquement, il fallait faire un choix, puisque effectivement, c'est des gens qui n'ont jamais travaillé ici, qui ne connaissent pas ni la région, ni les spécificités des départements, ni les décors, ni les techniciens. Donc forcément, ce n'est pas des gens qui spontanément vont se dire, tiens, on va tourner sur le plateau de Mille Vaches. Parce qu'ils ne savent pas que ça existe, en fait, je pense. Depuis la réforme territoriale, c'est désormais la région Nouvelle-Aquitaine, à Bordeaux, qui organise le soutien au secteur du cinéma. Une agence régionale gère les aides financières, les listes de décors et les fichiers de comédiens et de techniciens disponibles pour les tournages. C'est le Creusois Éric Correia qui suit ces questions pour la nouvelle région. Il y avait 2 longs métrages qui étaient prévus en 2018. En Limousin, et ces 2 longs métrages ne se sont pas déroulés. Parmi eux, il y en avait un qui avait 6 mois de tournage, à la fois en Corrèze et en Creuse. Donc la perte à la fois d'un village français et de ces 2 longs métrages font que 2018 ne sera pas une bonne année pour le cinéma en termes de jours de tournage et donc d'emploi de techniciens pour l'ex-Limousin. Le soutien à une filière cinéma et la structuration d'une filière cinéma en Nouvelle-Aquitaine, il ne faut surtout pas réduire ça
à des problématiques de tournage de films, c'est aussi comment nos sociétés de production en Nouvelle-Aquitaine sont capables de prendre une dimension supérieure et de produire, et peut-être de produire autre chose que ce qu'ils produisaient avant. Depuis 30 ans, Isabelle Neuvial produit des films en Limousin. Jusqu'en 2017, elle bénéficiait des aides de l'ancienne région pour produire ses documentaires. Cette année, elle constate que les aides aux documentaires audiovisuels ont diminué de 250 000 euros. On a des projets qui étaient régulièrement soutenus à toutes les phases, non, mais soit en écriture, soit en développement et ensuite en production en région Limousin, et qui là ne sont aidés ni en écriture ni en développement. Si on cumule deux, trois projets qui ne sont pas soutenus par la région, ça met les structures en déséquilibre financier, et donc on est des toutes petites structures artisanales en danger assez rapidement, oui. Et je vous confirme qu'il y a eu une baisse sur le documentaire audiovisuel et qui va être rétabli sur l'année 2019. Voilà, il manque à peu près 200 000 euros. Mais globalement, l'enveloppe n'a pas baissé, au contraire. Le cinéma, est depuis la fusion des trois régions, est une discipline dont l'enveloppe financière au sein de la région a augmenté. Et en bon politique, l'élu régional renvoie la balle dans le camp des trois départements de l'ex-région Limousin, qui ne financent pas les tournages comme le font d'autres départements de la Nouvelle-Aquitaine. Robin Renucci, lui, est revenu en Limousin. Pendant presque 10 ans, il y a beaucoup côtoyé les techniciens et les comédiens de la région. Devant leur portrait, le comédien vedette du village français, qui est aussi le directeur des centres dramatiques nationaux, rappelle qu'il est très attaché à la décentralisation de la culture dans tous les territoires. Donc plus on va travailler avec des gens sur des territoires et plus les gens peuvent vivre tout simplement sur des territoires et plus c'est riche, c'est là qu'ils devraient pouvoir travailler. C'est-à-dire que si la métropole attire totalement tout le lieu de travail, ça redevient un autre parisianisme si vous voulez, mais ça s'appelle bordelisme, je ne sais pas. En tout cas c'est l'équilibre territorial quand ce sont des grandes régions, je pense à la région Aquitaine mais aussi la région Occitanie qui est extrêmement vaste si vous voulez, il est important qu'il y ait des relais, je trouve, de pôles cinéma qui soient éclatés plutôt que centralisés. En 2019, deux films long métrage devraient être tournés en Limousin.